In Lausanne, stage 10 of the Formula 1 of international show jumping, the European champion 2013, Roger Yves Bost reveals the story of his incredible mare who gave him that great success. Castle Forbes, Mathilde Palois. Myrtille, elle est arrivée il y a 2 ans. Elle avait fait les jeunes chevaux en France avec un cavalier. Après, elle était chez Jessica Curtin. Elle a monté jusqu'à 10 ans. Et maintenant, elle est avec moi. C'est une jument exceptionnelle. Beaucoup de caractère. Elle a beaucoup de sang, de personnalité aussi. Elle est un peu caractérielle, mais elle est froide en même temps. Du coup, on doit toujours être gentil avec elle. Elle est très intelligente, du coup. Faut pas lui mettre de pression. Elle connaît beaucoup de choses et on doit vraiment enlever la pression. Et après, en parcours, ça va. La condition physique, à la maison, saute un peu quand même avant les concours. Parce que sinon, quand elle saute pas, elle est trop respectueuse, elle saute trop haut. Elle saute pour répéter un peu. Et après, je travaille un peu le contrôle. Mais sinon, elle est pas difficile d'entretien. Et en concours, on fait des petites détentes pas très longues. Il faut qu'elle arrive sur la piste fraîche, les mieux. Souvent au début j'avais du mal parce qu'elle était bien 9 obstacles et après je la perdais, c'était trop difficile. Et maintenant, 2 minutes avant le parcours, je descends, je la laisse bien se calmer et je rentre en piste, c'est mieux. Quand j'ai monté, j'ai sauté la première verticale, elle sautait toujours magnifique à chaque fois. J'ai dit c'est un cheval que j'ai jamais eu un cheval comme ça. Première fois, j'ai dit, mince, c'est incroyable. Je venais 10 fois, elle sautait. Je pense que c'est son courage. Parce que même quand elle a des parcours, c'est difficile pour elle. Tu refais un concours d'après, elle a oublié, elle recontinue. Elle se bat beaucoup. Vraiment courageuse. Des fois, elle est excessive un peu. Des fois, elle s'énerve un peu, mais je pense que c'est une. Elle n'a pas de défaut. Après le championnat d'Europe, je peux pas dire qu'elle a un défaut. Tout allait bien. Le premier jour, j'ai fait le warm-up. J'ai fait presque tout le parcours. Mais c'est au paddock, j'ai sauté. Elle sautait normal. C'était un peu mou, comme ici. Et j'ai dit, mince, elle saute pas. Et arrivée sur la piste, elle était magnifique tout de suite. J'ai sauté 5-6 obstacles, j'ai arrêté. Et j'avais un bon feeling. Et à la chasse, j'ai monté. Pour essayer d'être dans les 5 premiers, je me suis poussé un peu parce que normalement je fais les barrages vite. Je ne fais jamais un parcours entier. Et là, je suis parti tout de suite. Et j'avais le bon rythme. Je pense que ça l'a bien aidé. Elle a fait un bon parcours. Et après, tous les jours, j'avais le rythme avec un assez fort dès le début. Et du coup, elle était plus facile à monter. Et tous les jours, c'était le chef de piste, il a fait bien. C'était progressif. Du coup, elle a progressé avec les concours. Elle a fait. La Corogne, le dernier concours, c'était 3 semaines, 2 parcours normaux. Après, avant, elle avait fait Estoril, Rotterdam, des concours gros, Cannes. Mais elle a été quand même économisée, pas des gros parcours trop gros. Et on a préparé la condition et elle était vraiment bien physiquement. Elle était quand même, j'ai sauté 2-3 jours avant un parcours à la maison. Mais j'ai fatigué un peu pour qu'elle soit disponible à monter, mais elle était fraîche quand même. Dans la tête et tout, c'était important. Je ne m'attendais pas du tout. Je savais que ma jument elle pouvait sauter un parcours gros, mais entre gagner, c'était difficile. Pour moi, j'ai dit, comme j'ai essayé beaucoup de fois, je ne vais jamais avoir ça. Mais c'était le jour.